Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WW2K18. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit match aléatoire. C'est simple, pour ceux qui connaissent pas ces matchs-là, c'est pour changer un petit peu des combats proposés par les abonnés, des combats insolites. Là, voilà, c'est un match aléatoire, ça veut dire que je peux avoir une superstar que j'apprécie ou pas, contre une personne que j'apprécie ou pas. On va faire ça en mode... en mode normal, voilà, en mode normal, un petit aléatoire. Si vous voulez, vous pouvez laisser un petit like si vous aimez ces vidéos, en mode no prise de tête, voilà. D'ailleurs, ce soir, normalement, si tout va bien, il y aura une vidéo qui parlera de WWE Paris. Voilà, je vous annoncerai ma venue, si vous voulez qu'on se voit pour ceci ou pour cela, je vous annoncerai un petit peu le planning de tout ça. Et, alors, attendez, hop, normalement, ça devrait passer, on est OK. Donc, voilà, encore une fois, si vous voulez, lever les mains vers le ciel pour que j'ai une bonne superstar, s'il vous plaît, faites-le, ça me ferait extrêmement plaisir. À la 1, à la 2, à la 3. Je vois. Vous êtes du genre à ne pas trop m'apprécier. Il n'y a pas de problème, hein. Si vous ne m'aimez pas, vous me le dites, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et là, comme par hasard, je vais tomber contre une superstar hyper forte, parce que c'est comme ça. 1, 2, 3. Ok. Bon, ça va. Et ce qui est cool dans ces matchs aléatoires, c'est que personne... Je pense, hein, vraiment, sans vouloir dire ceci ou cela, je pense que personne m'aurait proposé un match en mode « Nasser, est-ce que tu pourrais faire R-Truth contre Mojo Rawley ?» Personne ne l'aurait proposé, et c'est ça qui est intéressant dans ces matchs aléatoires, c'est qu'on fait des matchs que personne m'aurait proposé. Et ça, c'est cool, parce que je vais pouvoir faire un combat qui me tente pas tellement, mais pourquoi pas. En plus, R-Truth, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Enfin, on l'a vu, il me semble, la dernière fois... dans un Raw ou un SmackDown. Il me semble que c'était au 25e anniversaire de Raw. Si je dis pas de bêtises, bien entendu. Mais il me semble que c'était là où on l'avait vu pour la dernière fois. Parce qu'on l'avait vu à un moment... Genre, on l'avait vu... vite fait aperçu, je crois. Mais c'est vrai que, par contre, sur un ring, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas s'il est peut-être blessé. Ou peut-être que, voilà, il est relégué à ne rien faire. Donc, si vous avez une idée par rapport à ça, pourquoi R-Truth n'est plus sur le devant de la scène? Bon, en même temps, il se fait vieux, et il a plus peut-être la hype qu'il avait auparavant. Mais moi, j'aimais bien son entrée. What's up? Voilà. Ça, c'était des bonnes entrées, je trouve. Enfin, pas que c'est une bonne entrée, mais c'est un petit peu comme Nuday, un petit peu comme les entrées, on va dire, dansantes. Voilà. Pour moi, personnellement, je vous le dis de vous à moi, coup de la guillotine, je préfère mille fois l'entrée de R-Truth que celle de No Way Jose. Voilà. Bon, aussi ça se compare quand même, hein, mais quitte à comparer les deux, je préfère celle de R-Truth. Un match à l'ancienne, avec un Mojo Rawley tout feu tout flamme. Mojo, je suis pas forcément fan de lui, je sais pas. Son catch ne me plaît pas tellement, enfin... Je sais pas. Pas ce que vous en pensez. Moi j'aurais préféré un push plutôt de Ryder, mais ce qui paraît, il est... Enfin, c'est un petit peu le... C'était quel le joueur de Lyon qui n'arrêtait pas de se blesser tout le temps, là? Je me souviens plus de son nom. Mais il y avait un joueur à Lyon qui n'arrêtait pas de se blesser tout le temps. Genre, maintenant, il a Rennes ou un Gagan. Je sais plus c'est quelle équipe. Mais t'as des joueurs, des fois... Hop là, bah... Tiens, prends-toi ça. Parfait. Il y avait un joueur, je sais plus comment il s'appelle, mais tout le temps il était blessé. Limite, il faisait que ça de se blesser. Bah, j'ai l'impression que Zack Ryder, c'est la même chose. En même temps, c'est vrai que plus on se blesse, bah, plus on peut se blesser. C'est logique. Ah d'accord, tu te la pètes comme ça, toi. Ah, Gourcuff, voilà. C'était Johan Gourcuff. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le gameplay... Ou Clément Grenier, je sais plus. Bref, je pense que c'est Gourcuff plutôt. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ce gameplay, je le fais en live sur Twitch. Voilà. On est en fin de live, on a fini God of War. Du coup, je me suis dit, tiens, je peux proposer un petit gameplay en live aux abonnés. Et en plus, je le rediffuse sur YouTube parce que, bah là, ça. Tout le monde est content. Et là, je suis avec R-Truth qui est chaud, hein. Oh, une petite patate! 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 Je l'ai défoncé. Alors, ceux qui se demanderaient, hein, je sais que vous êtes nombreux à vous demander, Cody, t'es en quelle difficulté? On est en légendaire. Hein. Je vous le dis, parce que c'est vrai que des fois, même moi, quand je regarde mes gameplays, je me dis, mais c'est pas possible, Nasser, tu joues en facile, là. Voilà. Juste pour vous le dire. Ah, il m'a contré, voilà. Il suffisait que je parle pour me le contrer. Mais souvent, même moi, je suis assez en me disant, et les matchs, c'est super dur. Genre, en mode, je me fais dominer. Mais il y a d'autres matchs, je roule sur la superstar.
Voilà, en même temps, R-Truth. What's up, je vais te fumer. J'ai pas de danse, voilà. Alors, tu viens à la 1, à la 2. Quel aristocrate. Oups. Ah mais non, voilà, je me fais avoir. C'est pas possible. Tout le temps, c'est la même chose. Je domine le match, et après, il suffit d'un mauvais mouvement, mauvais timing, pour qu'il me rattrape. Mais arrête de me taper, arrête. Pas mal de donner des coups comme ça, hein. C'est mon catch, ça. Voilà. Voilà. T'as osé me copier. Prends-toi mes smells dans la face, s'il te plaît. Ça passe bien. Voilà. Là, on va temporiser. C'est bien dans le sens qui me contre. Ça me permet d'avoir une avance sur lui, mais là, l'avance a peut vite se diminuer avec son spécial. Ok, voilà, simplement un grand spectacle, bah oui, R-Truth, Mojo Rawley, ça vend du rêve, moi je vous le dis, ça vend du rêve. Et si tu y crois pas, eh bien regarde-moi ça. Bon, cette fois-ci, il faut que le spécial passe. Il faut que le spécial passe, attention. Et ça passe, bien sûr. Monsieur l'arbitre, attention, venez danser avec moi. Tenez-moi la main, on fait le robot ensemble. Finisher. Finisher, ça peut que passer. C'est bon. Moi, j'ai pas de combat enchaîné. Normalement, on peut dire adios, amigos, à Mojo. J'aime bien ce finisher en plus. À part s'il a une révolte, mais je ne pense pas. Est-ce que ce match va se finir comme ça? Oui, victoire de R-Truth face à Mojo Rawley. C'est un match que j'ai plutôt dominé à 200%, du début à la fin, à part une petite frayeur à l'extérieur du ring, mais je me suis bien rattrapé. En tout cas, c'était une petite vidéo, voilà, un petit combat en mode low prise de tête. Bah, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça ferait extrêmement plaisir de proposer vos matchs en commentaire. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut! R-Truth walks away with the W. I could watch them go at it each and every week. What a match. As we close the book on this match, I need to remind everybody just how big of a win this was. Simply amazing.